Go!
Allez.
Alexis,
number four. Alexis, number four. Okay? DP, number five. Tak. Largeur. Top. Cali. Allez. Gaëtan. VP higher. VP higher. Gaëtan. Tip. Si tu veux, tu pousses avec Flo. Tu pousses avec Flo, ouais. Et Loïc, il vient avec Romain. Non, quand on l'a pas. On l'a pas, Thibaut, t'as compris. Mathis, alors. Mathis, avance. Mathis, voilà. Mathis, pousse. On va voir ce que ça donne. Allez, bleu! Vas-y, joue pied, joue pied! Allez, pied!
Stop, stop. Allez, j'y touche, j'y touche. Reste là. 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 Alex! Ouais, ça gauche! Ok! Derrière là-bas! Flo! Sol, sol! Bien joué, mon beau! Bien joué! Bien joué! Bien joué! Allez! 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 Bravo, Flo! Bien joué, mon beau! Bien joué, mon beau! Bien joué, Alex! Allez! 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 Yo! Avance, avance, avance!
Quand on prend un tir, on va mettre avant de donner le côté, donc ça va
Oh! 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 O
On va tout mettre.
Gardez, gardez. Tu prends la main gauche. Tu prends l'eau. Tom, il manque un mot. Allez, yo, allez. Thank you.
bon, on est parti en stage de pré-saison à Vichy. C'est un stage où il y avait une grosse charge de travail. Et l'idée pour nous, c'était de se préparer tous ensemble pour la reprise du championnat. Il faut bosser, il faut travailler. D'accord ? C'est ça la préparation. C'est ça qui va vous permettre, encore une fois, je répète, durant l'année, de pouvoir la traverser le mieux possible. Ok, c'est bon ? Pas de problème ? Allez. C'est souvent des séances où le matin il y a un rythme de course plutôt élevé. Allez, t'as le record ! Et on enchaîne les entraînements et c'est ça qui nous rendra prêts pour les efforts en match. Bah, au niveau de la récupération, ça s'est plutôt bien passé. On a les bains froids après les entraînements. On a les étirements, on a des soins avec les kinés. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et justement, l'enjeu, il est là, c'est de bien récupérer pour pouvoir encaisser la charge sans problème. C'était un gros avantage d'avoir les terrains à proximité de là où on dort parce que c'est vrai que ça nous fait gagner en temps de sommeil. Et donc pour la récupération, c'est bien plus efficace. Et aussi, le fait d'être dans un lieu commun tous ensemble, et bien ça favorise aussi la cohésion. Le village débatté, 1 minute 30. Souffle. Il rigole. Pourquoi il rigole? Mais j'ai quoi ça en vrai de rire, il rigole tout le temps. Mais... Non, c'est souple les gars. C'est évident. C'est vrai qu'il y a un groupe qui est en train de se former. Il faut que ça continue comme ça. Merci monsieur. Jacques, c'est très très fort. Jacques Icogno. Guilherme. Ouais, l'activité, ça nous permet souvent de nous relâcher. C'est vrai qu'elle a aussi ce petit côté physique, mais toujours dans la bonne humeur et ça favorise aussi la cohésion, je trouve. Et ça permet aussi de se retrouver en petit groupe et à la fin de tous se rassembler et échanger. C'est un moment de partage, en fait. C'est vrai que l'année dernière, on était plutôt dans l'appréhension, dans la découverte. Là, cette année, on a une saison déjà derrière nous, donc on a déjà un peu plus nos repères. Et c'est clair qu'au niveau athlétique, on a tous progressé. Et maintenant, aujourd'hui, on encaisse bien plus facilement les séances. Et comme on a beaucoup appris de la saison dernière, cette année aussi, même dans les entraînements, on sent qu'on est mieux. Et je pense que c'est pas que mon ressenti personnel, je pense que c'est un ressenti global d'à peu près tous les jeunes joueurs. L'idée c'était de faire deux fois 60 minutes et pour qu'on ait tous 60 minutes dans les jambes. C'est vrai que c'est particulier parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait, mais ça nous permet de nous préparer aussi. Et en plus face à un bel adversaire d'Auxerre qui justement vient de descendre, donc ça nous permet aussi de voir un peu où on en est. Au fur et à mesure des matchs, on peut vraiment s'apercevoir que ça s'améliore. Il y a de plus en plus d'automatisme, on essaye de retranscrire tous les schémas qu'on fait à l'entraînement et je pense qu'on est sur la bonne voie. L'équipe progresse bien ensemble, que ce soit les joueurs à titre individuel ou même collectivement. On sent qu'on retrouve du rythme et là, dans les combinaisons, c'est beaucoup mieux et il faut continuer dans ce sens-là. On a eu le temps de bien travailler, mais c'est passé relativement vite. Et là, avec la reprise du championnat qui arrive, il va falloir enchaîner les matchs. Là, il nous reste encore un match demain et deux matchs dans la foulée vendredi et samedi. Ce sera l'occasion pour nous de peaufiner tous les détails parce qu'il faudra être prêt pour la reprise du championnat.
Pour
Pas facile, les gars, les pas facile. Où est Tom?
Thank you.
Quand je suis à 10, sortez s'il vous plaît. Mais non, mais là, sortez. Il y a un peu de allez, quand même. Il y a un peu de allez, juste. Arrêtez! Arrêtez!
Finir station, il faut la finir station. Allez, chance, le Gilco, prenez votre responsabilité. Allez, 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 allez
gauche, 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 Allez, 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 allez
Ah, je vais jouer ça.
Pas de loup!
Vamos!